Pour le nom de Simadji Dwesu, étudiant en master maths application, parcours, méthode stochastique et informatique décisionnelle de l'Université de Pau. Donc, je suis là pour présenter les résultats de mes travaux effectués lors de mon stage dans le cadre du projet Passifor 2 portant sur l'optimisation de l'effort d'échantillonnage dans le temps et dans l'espace. Ce stage a été encadré par Romain Julia et Antoine Lévesque du Muséum, puis Frédéric Gousselin et Fabien Larosse de l'INRAE. Le plan de ma présentation sera une brève introduction. Ensuite, je parlerai des méthodes d'échantillonnage. J'aborderai le matériel et la méthode, les résultats théoriques obtenus. Après, je parlerai de la simulation et des résultats obtenus, résultats que je vais discuter, évoquer les perspectives en lien, puis une conclusion. La déclaration Habitat Faune Flore, dans son article 11, exige à tous les pays membres de l'Union européenne de surveiller les espèces et les habitats d'intérêt communautaire. Ce fait, il use donc pour tous les pays de mettre en place des programmes de surveillance de la biodiversité. En France, les projets Passifor et projets de surveillance de la biodiversité terrestre ont été initiés à cet effet. Selon Mitsusova et Gousselin, le suivi de la biodiversité est le système d'observation régulière des écosystèmes au fil du temps qui informe sur l'état de la biodiversité dans le but de détecter les tendances d'évolution de paramètres tels que la richesse, l'abondance, la diversité et autres. Nous savons aussi que les espèces ont une structure dynamique et sont largement réparties sur le territoire. Ainsi, suivre leur tendance fait alors appel à la notion d'échantillonnage. Mais une principale question se pose. Comment allouer l'effort d'échantillonnage? Faut-il passer fréquemment sur peu de placettes ou moins fréquemment sur beaucoup plus de placettes? Cette question a été abordée par différents chercheurs, parmi lesquels les travaux de Rod et Johnson réalisés en 2011. Les objectifs de notre stage ont été, dans un premier temps, de partir des travaux de Rod et Johnson, d'identifier les limites en lien à ces travaux et de proposer maintenant des améliorations et des extensions, parmi lesquelles l'introduction de placettes non permanentes, l'introduction de strates. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord définir quelques notions que nous jugeons importantes pour notre travail. Nous entendons par plan d'échantillonnage un dispositif de collecte des informations dans le temps et dans l'espace dont l'objectif est de maximiser les informations tout en minimisant le budget, qui n'est rien d'autre que le nombre total d'observations. Notons également qu'il existe plusieurs types de plans d'échantillonnage. Nous avons les plans avec les placettes permanentes, les plans avec les placettes non permanentes, autres. Nous entendons ici par placettes les sites sur lesquels les observations sont récoltées, les informations sont recueillies. Et également, les placettes non permanentes dans notre travail sont définies comme des placettes sur lesquelles l'on passe au moins deux fois, tandis que les placettes permanentes, pardon, sont définies comme des placettes sur lesquelles l'on passe au moins deux fois, tandis que les placettes non permanentes sont des placettes sur lesquelles l'on ne passe qu'une seule fois. Étant donné que les espèces sont hétérogènes, sont réparties de façon hétérogène, suivre les tendances fait alors appel à la notion de stratification. Nous entendons par strate ici un sous-ensemble plus homogène ou moins hétérogène de la population. Le tableau ci-dessous nous donne une illustration du plan d'échantillonnage avec des placettes permanentes synchrones sur lesquelles les données sont récoltées au même moment et des placettes non permanentes dont les plans de passage sont fixés de façon aléatoire. Comme je l'ai dit plus haut, nous sommes partis des travaux de Rod et Johnson qui ont modélisé la dynamique de la population à l'aide de la densité dépendance de Gompers, comme l'indique l'équation numéro 1 ci-dessus, avec N était l'abondance de la population I autant T, K était l'abondance à l'équilibre, 1 moins gamma, l'autocorrélation temporelle, U était la variation environnementale, 0, l'autocorrélation spatiale. Il y a bien sûr comprendre 0 et 1. À l'échelle logarithmique, ce modèle devient l'équation 2. Ci-dessus. Dans notre travail, nous appelons déviation à l'équilibre local la quantité epsilon it définie par Rod et Johnson comme étant égale à la différence entre le logarithme impérial de nit et log de kit. Notons également que lorsque plus gamma est faible, plus l'autocorrélation temporelle est forte. Et lorsque gamma est égal à 1, nous sommes en absence d'autocorrélation temporelle.
Roddy Johnson, dans leur travail, a émis plusieurs hypothèses, au nombre desquelles les placettes, ils ont supposé qu'il n'y a rien que des placettes permanentes synchrones, ensuite que la dynamique est stationnaire, c'est-à-dire qu'elle évolue depuis longtemps avant qu'on commence le suivi, après que les paramètres rho et gamma sont compris entre 0 et 1, ensuite la variation environnementale, l'autocorrélation spatiale et l'autocorrélation temporelle ont été supposées constantes dans les travaux de Roddy Johnson. Également, ils ont fait une hypothèse d'indépendance entre l'autocorrélation spatiale et l'autocorrélation temporelle. Et pour finir, ils ont supposé que log de K était sur une tendance linéaire déterministe, c'est-à-dire que log de K était change de façon déterministe avec un taux RI. Comme stratégie de suivi, ils ont supposé que les sites ont un même schéma temporel de passage et que l'on sélectionne aléatoirement un site parmi P sur lesquels l'on recueille l'abondance à des intervalles réguliers, bien sûr. Les principaux, la figure 1 ci-dessus nous résume les principaux résultats de Rod et Johnson. L'axe des abscisses décrit l'autocorrélation spatiale, alors que l'axe des ordonnées décrit l'autocorrélation temporelle. Donc, au fur et à mesure que l'on évolue vers la droite, l'autocorrélation spatiale augmente. Au fur et à mesure que l'on monte, l'autocorrélation temporelle augmente. L'analyse de cette figure-là nous révèle que lorsque l'autocorrélation spatiale est faible et l'autocorrélation temporelle est élevée, il est préférable d'échantillonner plus de sites moins fréquemment. L'optimum ici, c'est 2 égale à 2. Alors que lorsque l'autocorrélation spatiale est élevée et l'autocorrélation temporelle est faible, il est préférable d'échantillonner moins de sites plus fréquemment, l'optimum ici étant égal à 10. À l'issue de notre travail, nous avons relevé quelques limites en rapport avec les travaux de Rod et Johnson, au nombre desquels l'impossibilité de considérer des placettes non permanentes. Ensuite, Rod et Johnson ont seulement travaillé en stationnaire, c'est-à-dire qu'ils ont supposé que la dynamique était stable depuis longtemps, et que les paramètres gamma, rho et sigma sont supposés qu'on est dans les travaux de Rod et Johnson, ce qui n'est pas toujours vrai dans la vie réelle. Ces paramètres sont à estimer. En dehors de ça, Rod et Johnson n'ont pas utilisé la forme explicite des déviations à l'équilibre local, selon IT. Certes, les deux thèmes manquants n'interviennent pas dans la forme de la matrice de variance-covariance, mais elles interviennent quand même dans la structure de la moyenne qui est aussi importante. Et pour finir, le formalisme de la matrice de variance-covariance utilisée par Rod et Johnson n'est pas totalement vrai, en l'occurrence en ce qui concerne la matrice des erreurs. Dans notre travail, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous avons introduit la notion de placette non permanente avec, bien sûr, un seul passage. Selon De Gruyter et Hall, l'avantage de l'introduction des placettes non permanentes réside en sa flexibilité et en sa potentielle couverture spatiale qui est beaucoup plus grande. Et toutefois, les placettes permanentes ont toujours été supposées comme ayant le même schéma temporel de mesure, tout comme dans Rod et Johnson. L'équation 3 ci-dessus présente la forme explicite des déviations à l'équilibre local. Il n'est rien d'autre ici qu'un processus autorégressif d'ordre 1. Les deux thèmes manquants dans le formalisme de Rod et Johnson sont ces deux thèmes mis en exergue ici. La moyenne des epsilon IT dans ce ici est donnée ici par l'équation 4. Lorsque l'on regarde bien l'équation 4, nous pouvons voir aisément la présence d'un thème qui dépend de T et la nécessité de pouvoir modéliser la dynamique à l'état initial, ce qui nous permet de ramener vers, de revenir un peu vers les limites que nous avons énumérées un peu plus haut. Avant de définir le modèle statistique, nous avons essayé de modéliser la population à l'état initial, bien sûr sous l'hypothèse d'une dynamique non stationnaire, comme l'indiquent les équations 5, 6, 7, 8 présentées ici, avec C une constante, θ et sigma 0 des réels strictement positifs. Ainsi, l'équation 9 ci-dessus présente la forme conditionnelle du modèle non stationnaire avec epsilon prime IT qui n'est rien d'autre qu'un gaussien multivarié centré réduit des déviations à l'équilibre local. Et ici, le thème θi fois t est constante, est déterministe, pardon, donc contenu dans la moyenne de log de nt. Tandis que l'équation 10 nous présente la forme marginale du modèle statistique non stationnaire. Ici, le thème epsilon IT est stochastique, donc contenu dans les résidus. Notons également que lorsque sigma carré 30, qui n'est rien d'autre que la variance d'epsilon
de état I, pardon, est égal à 0, nous sommes en présence de modèle sans effet site. En régime stationnaire du processus, les paramètres C, sigma 0 et θ prennent les valeurs que nous avons ici, et ainsi les équations 9 et 10 définies un peu plus haut redeviennent respectivement les équations 11 et 12 que nous avons. Les paramètres à estimer dans le modèle non stationnaire sont présentés dans le tableau suivant, avec bien sûr sigma 0, C et θ, les paramètres d'initialisation lorsque nous sommes en régime stationnaire. Maintenant, nous allons passer à la simulation. Il faut d'abord noter que dans un premier temps, nous avons essayé d'implémenter le modèle non stationnaire sous TMB et également en bayésien. Nous avons été confrontés à un problème au niveau de la simulation de la distribution multinormale sous TMB et un problème de convergence des estimateurs MCMC sous Greta. Et compte tenu du temps, nous avons décidé d'implémenter le modèle stationnaire suivant l'approche de Roddy Johnson, bien sûr, en prenant en compte les observations que nous avons énumérées un peu plus haut. Ainsi, au niveau de la simulation, nous avons implémenté le modèle stationnaire présenté dans l'équation 12. Ensuite, nous avons supposé que la variation spatiale de la tendance temporelle, c'est-à-dire le sigma train, est égale à 0. Et nous avons bien sûr utilisé un modèle de régression, log de NIT, fonction de T avec intercept, contrairement à Roddy Johnson dans leurs travaux qui ont fait une régression log de NIT moins log de NI0. Après, pour l'estimation de la variance de la pente, nous avons utilisé la formule du GLS, bien sûr, en supposant que nous connaissons sigma carré, rho et gamma, tout comme l'ont fait Roddy et Johnson. De ce fait, la variance de l'estimateur n'est rien d'autre que le coefficient 3,3 de notre matrice de variance des paramètres du GLS, avec INS ici la matrice de design à trois colonnes, et phi la matrice de variance-covariance des résidus. En ce qui concerne la démarche de la simulation, nous avons dans un premier temps défini un scénario de suivi. Dans notre cas, nous avons supposé que le budget, l'observation, la variation environnementale sont constantes. B égale à 1500, sigma égale à 0, sigma ops égale à 0,1 et sigma carré égale à 1. Ensuite, nous avons supposé une durée maximale de suivi T égale à 30 ans, étant donné que nous travaillons sur un programme à envergure nationale, voire international. Le nombre moyen de passages par site, T, est la proportion P de sites de placettes non permanentes, sont des variables définies dans des espaces, dans des sous-ensembles discrets de B, 1500. Ensuite, nous avons choisi une stratégie de répartition temporelle. Dans le cas de notre simulation, pardon, nous avons opté pour la même stratégie que Roddy Johnson, c'est-à-dire des passages réguliers avec des pas de temps T masse moins 1 sur T. Et nous avons supposé également que tous les sites permanents commencent à T égale à 1 et le temps de passage sur les sites non permanents a été supposé aléatoire. Après ça, nous avons implémenté la matrice de variance-covariance des résidus sous l'hypothèse stationnaire, bien sûr, calculer la variance de l'estimateur de la pente conditionnellement à la connaissance de phi, et après produit les mêmes schémas, les mêmes types de figures que Roddy Johnson. Il faut noter ici que nous appelons le couple T-min, P-min, le couple de T et P qui correspond à l'échantillonnage optimal, et delta SE n'est rien d'autre que le gain de précision d'estimation défini comme ceci. En termes de résultats, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous avons essayé d'implémenter les mêmes figures que Roddy Johnson, c'est-à-dire dans un premier temps, dans un scénario, nous avons opté pour un scénario avec des placettes permanentes. On remarque ici que les résultats sont exactement les mêmes en ce qui concerne l'optimisation du temps moyen de passage par site que ceux obtenus par Roddy et Johnson. Ensuite, nous avons maintenant essayé de reprendre les mêmes graphiques. Maintenant, ici, dans le cas d'un mélange de placettes permanentes, synchrones bien sûr, et maintenant de placettes non permanentes. Pour ce qui concerne l'optimisation du temps moyen de passage par site, les résultats sont exactement les mêmes. L'innovation aussi dans notre travail, c'est l'introduction de la proportion P de placettes non permanentes. Lorsque l'on analyse cette figure-là, on retient aisément, on remarque aisément que la proportion P de placettes non permanentes
dépend de l'autocorrélation temporelle et de l'autocorrélation spatiale. Donc ça, nous avons essayé d'implémenter, de faire la figure pour les types d'estimation qui, et à la fin, on obtient exactement les mêmes résultats que dans le cas de placettes non permanentes. Après, nous avons fait le diagramme. Nous avons essayé de faire aussi le diagramme des gains de précision. Ici, on observe que le gain de précision est quantitativement modéré, varie entre, c'est-à-dire que ce gain-là varie entre 0 et 3% à ce niveau. Ensuite, nous avons passé à la discussion des résultats obtenus. Nous savons qu'en statistique, l'objectif, c'est d'avoir un plan d'échantillonnage statistiquement puissant, c'est-à-dire avec les observations les plus indépendantes possibles. Donc, l'idéal voulu est alors d'avoir des autocorrélations beaucoup plus faibles. Mais force est de remarquer que nous obtenons un résultat contraire lors de l'optimisation de la proportion P de placettes non permanentes. Concrètement, nous remarquons que lorsque l'autocorrélation spatiale ρ est faible, l'échantillonnage optimal est celle sans introduction de placettes non permanentes. Et cela pourrait s'expliquer ici par la définition, notre définition de placettes permanentes, qui n'est rien d'autre que les placettes sur lesquelles on passe au moins deux fois. Notre travail présente également quelques limites, au nombre desquelles, bien sûr, en rapport avec les travaux de Rod et Johnson, étant donné qu'au niveau de la simulation, nous n'avons fait que reprendre la simulation de Rod et Johnson tout en prenant en compte les observations que nous avons énumérées un peu plus haut. Donc, l'une des limites, c'est l'hypothèse de stationnarité. Et ensuite, nous avons supposé que nous connaissons la matrice de variance des résidus phi, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, le gain de précision d'estimation varie entre 0 et 3%. On se demande alors si c'est vraiment important, eu égard à toutes les hypothèses simplificatrices que nous avons eues à faire un peu plus haut. Donc, en termes de perspective, il serait intéressant d'implémenter le modèle non stationnaire complet, d'estimer les paramètres avec peut-être Nimble que nous avons commencé, mais à cause du temps, nous n'avons pas pu terminer. Ensuite, au niveau du modèle non stationnaire, le fait de procéder à des variations, à d'autres scénarios, d'utiliser d'autres scénarios, entre autres les variations de Bézier, introduire les variations de la variation environnementale, pardon, et de l'erreur d'observation également. Après, un scénario avec des placettes permanentes non synchrones, auxquelles on ajoute maintenant des placettes non permanentes. Et vu que le territoire français est hétérogène, il serait également intéressant de procéder à des simulations tout en intégrant la notion de strates. Nous avons eu à développer à ce niveau, au niveau des strates, le modèle explicite mathématique, mais compte tenu du temps, nous n'avons pas pu procéder aux simulations. Et enfin, il serait également intéressant de reprendre les travaux tout en considérant les interactions entre autocorrélation temporelle et autocorrélation spatiale. Donc, pour finir, nous pouvons dire que notre travail nous a permis de voir, bien, nous permet de mettre en exergue l'importance d'introduire des placettes non permanentes dans les programmes de surveillance de la biodiversité. Merci de votre attention.